Jour 151. Détresse. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Razus et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Kingdom Hearts 358 / 2 Days. Oui, j'ai fait un petit mix de prononciation anglaise et de ma prononciation française, c'est pas grave. Alors, venez voir ce que t'as à nous dire, monsieur Axel. Alors, monsieur le chercheur de ce trésor, ça en est où? Pour être à ma hauteur, tu devrais avoir ouvert 130 coffres depuis ta première mission. Préviens-moi quand tu auras atteint ce nombre. Et on en est où? T'en as ouvert 127, d'accord, il nous en manque 3. Donc c'est vraiment rien. Ce petit jeu a besoin d'un peu de piment, tu ne trouves pas? Ça dépend. Je vois de la détermination dans les yeux de la poulette, et toi, qui a-t-il à voir? D'accord. Bon, alors cette fois-ci, on va tout simplement aller parler à Seix. Aujourd'hui, tu vas neutraliser un sans-cœur puissant. Prépare-toi en conséquence. Alors, l'avalanche est apparue dans la cité du Clépuscule. Est-ce qu'on a des infos? Trouvez-la et neutralisez-la au plus vite. Bon, mais vous savez quoi, vu qu'on est... On est plutôt complet au niveau des magies, ça devrait être bon. J'ai peut-être pas pris la bonne Keyblade pour le coup. Ouais, on va peut-être... On va passer la cinématique. Hop. Et abandonner la mission. Vu que c'est un... Et on va la recommencer. Étant donné que c'est une... Voilà, on va juste changer la Keyblade. Vu que je disais donc, vu que c'est un monstre aérien, on va changer de Keyblade pour une pièce aérienne. Ça paraît tout ce qu'il y a de plus logique. Une pièce maniable, voilà. Et on va y rajouter... on va y rajouter... les modules complémentaires, voilà. Hop. Et un dernier, voilà. Alors maintenant qu'on y est, on a deux places. Deux places. On va mettre le niveau plus. Voilà. Et puis un éther. Voilà. Alors attendez, avant que... J'ai encore un doute. Il me semble qu'on doit avoir un ou deux journaux de Roxas à lire. C'est bien ça, on en a un. Perte insupportable. Shion n'est pas encore venu en haut de l'horloge aujourd'hui. Seix et elle se sont disputés, mais je ne sais pas à quel propos. Axel et moi avons parlé de la bête et du fait qu'il y ait quelque chose qu'on ne puisse pas supporter de perdre. Axel pense que pour nous, il s'agit de notre passé, parce que c'est la partie de nous qui se souvient encore de la douleur d'une perte. Je ne me souviens pas de mon passé, mais je veux me raccrocher au présent. Je suis angoissé à l'idée de pouvoir perdre un jour Axel ou Shion. Eh bien, mon grand... C'est qui, pour des gens qui ne doivent pas ressentir de sentiments, c'est pas forcément ça, quoi. Hop, une pièce maniable plus, ben on va la faire, hein, comme ça. Hop, bon, je suis désolé, il va falloir qu'on rechange de Keyblade, mais on peut pas faire autrement. Voilà. Étant donné qu'on va avoir une Keyblade un petit peu plus puissante, j'aurais dû regarder ce qu'il avait à vendre avant de m'équiper, tout simplement. Mais bon, voilà, que voulez-vous, je ne suis point parfait. Voilà, on va essayer de faire ça rapidement. Un dernier module, et c'est fini, voilà. Donc le visuel n'a pas changé, visiblement. Allez, on est reparti. Hey, ça ne serait pas... Salut Shion. Roxas? Tu n'es pas en mission? Si, il m'a envoyé ici aujourd'hui. Vraiment? Moi aussi.
Désolé, Roxas. Je n'aurais pas dû m'enfuir comme ça hier. Ne t'en fais pas, ça ne m'a pas dérangé. J'étais en colère, j'avais raté une mission. Tu as peut-être entendu parler de celui qui se fait passer pour l'un des nôtres, l'imposteur de l'organisation. Je l'ai affronté, mais il m'a battu. Sake s'était furieux et m'a traité d'erreur. Bah, cet imbécile peut dire ce qu'il veut, je m'en fiche. Hey, Shion, ça te dirait qu'on fasse équipe aujourd'hui? Hein? Hein? Comment ça? Regroupons nos deux missions, on ira plus vite à deux. C'est d'accord, comme ça on aura peut-être plus de temps pour après manger des glaces. Ok, donc là du coup, nous sommes avec Shion et il va falloir qu'on... Déjà, hop, qu'on fasse une double mission. Donc qu'on récupère les badges comme ceci. Et qu'en plus, on réussisse à battre un boss, donc ça va être relativement difficile. Enfin non, même pas relativement, ça va être difficile tout simplement. Voilà. Mince, pas. Allez, wow, punaise, elle fait vraiment beaucoup de combos. Allez. Bon, par contre, ça fait pas beaucoup de dégâts. C'est dommage. J'aimerais bien, voilà, zoomer et on va faire un petit brasier. Non, ça c'était le mauvais bouton. Voilà, ça c'était le bon. Hop là. Allez, punaise. Yes, c'est bon, c'est fait. Bon, désolé, j'ai pas trop parlé, mais bon. Que voulez-vous? Oui, j'ai actionné l'interrupteur. Voilà. Hop là. Bon, cette plante-là, on s'en fout. Ah non, on peut pas s'en foutre. Malheureusement. Allez. Non, non, c'était de l'autre côté, mon cher Roxas. Allez, vas-y. Allez, il nous reste plus qu'une petite partie de sa vie. Allez, 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 allez. C'est bon, là, on a réussi à bien lui enchaîner le dernier combo. Ça lui a fait mal. Allez, vas-y. Allez, mon petit Roxas, tournoi et frappe. Yes. Hop là. Allez, faut vite actionner cet interrupteur et essayer de récupérer un autre machin comme celui-là. Est-ce qu'on n'en aurait pas un autre? Si. Voilà. Et on s'en va. Donc c'est... Il y en a un ici, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? On peut pas sortir par là, mais est-ce qu'il y aurait pas un petit... Oh, il y a un corps. Même deux corps. Une formule foudre et un singe. Ainsi que un petit symbole. Voilà. Allez, 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 vas-y mon petit Roxas. Ensuite, où est-ce qu'on peut aller à là, à la porte 3 donc.
Ah mince, il faut battre cette giga membre d'abord. Allez. Bon, pas génial ce Keyblade. Enfin, elle fait pas assez de dégâts pour le. Au niveau des. Quand elle, au premier coup de son combo, elle fait pas beaucoup de dégâts. Même si elle tape de manière très répétitive. C'est-à-dire qu'elle donne beaucoup de coups, voilà, j'ai trouvé. Mais sinon, à part ça, pas grand chose, clair. Ici, est-ce qu'il y aurait pas un coffre ou. Ah, ben un badge d'unité. Ensuite. Ben on a plus qu'à y aller, je crois. Hein. Voilà, une potion plus. Et donc maintenant, ça va être l'heure du boss, je pense. Donc lui, il devrait craindre le feu, le brasier. Oula. Par contre, il fait très très mal. Hop, non, je vais juste essayer. Voilà, faire ça. Un brasier. Ouais, c'est bien ça. Ça me fait assez mal quand même, un brasier. Allez, on a plus qu'à essayer de l'enchaîner là. En essayant de rester sur nos gardes. Hop, on peut pas se faire toucher, voilà, par ce genre d'attaque. Yeah, bien joué, Shion. Hop. Alors, on va se soigner. Encore une fois. Encore une fois. Hop. Et là, on va lui balancer un foudre. Ce qui ne fait pas grand chose. Ce n'est pas très simple. Allez, continuons à l'enchaîner. Il ne reste plus beaucoup de vie là. On a bientôt fini. Allez, Roxas, c'est fini. Bien joué, mon grand. Il y a des monstres ici. Non. Pourquoi est-ce musique? Comment? Allez, bon, ben maintenant on n'a plus qu'à rentrer. Je pense qu'on pourra pas terminer la mission complètement. Parce que pour le terminer complètement, il faut absolument ne pas s'arrêter. Enfin, ne récupérer tous les jetons quand ils ont encore une aura, ce qui est extrêmement difficile à réaliser. Donc au final, on n'a plus qu'à rentrer. Allez. On y va. Tu veux manger une glace? Ouais, ouais, merci. Je me demande où est Axel. Je crois qu'on a été un peu trop rapide finalement, pas vrai? Face. Who are you really? And why do you have a Keyblade? Tell me first.
why you are dressed as one of us. To make sure my best friend sleeps in peace. I don't know who you're supposed to be, but you can't fight fire with sparks. This Keyblade, it's a sham. Worthless. My Keyblade is not a sham. What gives you the right to say that? Find a new crowd. Trust me, those guys are bad news. Why? You're the real sham! Fair enough. You could say I am the biggest nobody of them all. Shion! Shion! Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Désolé, j'ai la tête ailleurs. Roxas, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi travaille-t-on pour l'organisation? Comment ça, pourquoi? Pour avoir un cœur à nous, non? Mais pourquoi? À quoi ça me servira d'avoir un cœur? J'en sais rien. Mais une fois qu'on l'aura, on sera capable d'en juger. Tu ne crois pas? Peut-être. J'aimerais juste savoir ce que je fais ici, comment je suis arrivé ici. Je fais des cauchemars. Ah bon? Je me réveille en sursaut et je ne me souviens pas de ce que c'était. Si ça peut te rassurer, Sigbar a dit que toi et moi étions spéciaux. Exceptionnel, qu'il a dit. Spéciaux? Ça veut dire différent. Parce que je fais une erreur. C'est faux! Il se peut que nous soyons exceptionnels tous les deux, Roxas. Mais je crois que nous sommes différents. Shion, attends! Salut Roxas. Ah, salut Axel. Shion n'est pas là aujourd'hui. Tu viens de la rater. Thank you.